Bon, bah ça y est, c'est reparti pour une pêche à l'étendille de Saint-Billy. Super endroit quand même, hein. Sauvage, tout tranquille. On entend les petits oiseaux. Bon, aujourd'hui, je suis avec Seb, hein, comme d'hab d'ailleurs. Je vais aller voir ses secrets pour pêcher la carpe. En train de faire un bac que je crois. Ah ben ça y est, oh là 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 là. Donc installation à carpe, donc là wow. Vraiment canne à carpe, bouillette flottante, amorçage mélange au thon et monster crab, pelé, baby corn, chêne vie et pois chiche. Et la deuxième, c'est la canne feeder, qui est aux méthodes, mais à la bouillette aussi pour la carpe. Il n'y a pas de. C'est que carpe. Et là, je prépare le store crab. Ça va encore, c'est pas trop pourri. Oh, ça va encore, hein. De la mort. Ça va. Bon, bah, lui est là, il est prêt, hein, le barbecue, pour tout à l'heure. Ça va être sympa. Bon bah là-bas ça fait bonzette. Hein. Non, ça va, il fait froid. Non, il fait bon, c'est pas vrai, c'était pour une blague. Non, bien grand ciel bleu, bon on est sur la berge à l'opposé du soleil. Et à l'opposé des poissons aussi, je crois. Des poissons du coup. Putain, capot à 11h30. Je suis dégoûté encore une fois, capot ici. Un si beau site. Plein de cartes, normalement, des grosses tanches et tout. Ah, ici, ouais, il y en a. Ouais. Voilà. On a déjà fait, aujourd'hui, Walou. Je sais pas, l'andouillette, c'est de merguez. Ouais, je rigole. Non, mais ça sent l'andouillette. Ouais, c'est parce que l'andouillette, c'est. Ça sent la merde. Ah d'accord, ouais, donc ça sent la merde, t'as largué quoi. Non, pas du tout, mais la lourdillette ça sent la merde, et comme la grille elle est sale, ça dégage une odeur de merde. Tu tapes là. Et voilà. Ça a Dieppe ça. C'est ça. À Saint-Billy, Saint-James. À Saint-Billy, le Saint-James. Morito, le barbecue, il finc. Michel, il finc aussi parce qu'il prend rien. Moi non plus, hein. Voilà, ben, c'est bien dommage. Il y a un, voilà, le jeu de Michel. Une belle amorce, on est d'accord, on est d'accord. C'est une belle amorce. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. Et à la bouillette. Wow, j'ai envie de dire, on cherche la carpe hein, dans l'absolu. Il suffit qu'il y ait une carpe, quoi. Pour l'instant. Ah, on va peut-être pas. On a peut-être un peu la fumée dans notre visage. Ah, ouais, là oui. Ben, le vent a tourné. Hein. Allez, on va devoir changer de stratégie d'apéro. Stratégie apéritive. Oh, ça pue bien même. J'ai une grosse merde. Oh non, mais non. Sébastien, pourquoi t'as fait caca près de mon bac? Hein? Franchement. Bien oui, nous sommes à Pratt. Avec l'équipe de bras cassés. Jeannot avec son nouveau fauteuil, il y a une chaise, écoute. Et putain, et tu as l'installation, Tisotte. Il manque les roulettes. Oh, réclame pas de roulette, va. Bon, bah, c'est l'heure du petit déj. Hein. Chaumont Basillac. Avec un petit casse-croûte au sifflard. Voilà. Un petit peu quand même. Et voilà. Parce qu'il profite que j'ai pas ma canne à l'eau pour faire du poisson. C'est honteux. Après une touche de gens qui a cru qu'il était au épilant.
Vas-y, voilà. J'ai de l'herbe avec, c'est sûr. C'est plus lourd que tout à l'heure. Oh, ah, tu l'as harponné, je crois bien. Non, je l'ai pas harponné, mais elle s'est retournée avec la... avec l'herbe. Tu vois, c'est une galère. C'est une belle bébête. Hein. Voilà. Attention, oh, putain, t'es court, hein, des moulines. Voilà, deux poissons, un jet d'eau. Une chaude plaquette. Pas de balles. Bon, ça fait deux petites plaquettes chacun. Enfin, une chacun. Ouais. Et une grosse. Allez. Autour de Michel. Visiblement, ça a l'air correct. Il y a un Scrabble. Il y a un Scrabble. Brême. Non, ça marche pas, Brême. Plaquette. T'es à contre-jour, là. C'est pas moche, mais... Je crois que c'est du lourd, hein. Là, on a la canne pliée, hein. Ah, le temps que... Ouais, moi aussi, tout à l'heure, hein, je l'ai eu, je te dis, ça se met dans les nénuphs. Pas dans les nénuphars, dans les herbes, c'est le port. Oh, elle est belle, elle est pas mal. Oh, tiens, celle d'avant, elle était bien plus grosse que j'ai prise. Qu'on n'a pas eu le temps de prendre en photo. Alors nous verrons après la pesée ce que ça dit. Oh non, elle est même plus petite lors de l'apéro, hein. Glou 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 et là-bas ça fait fum 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 fum. Et Sébastien nous a mis nos kivers sur des beepers pendant qu'on mange. Ça sera pratique quand même, hein. Et voilà. Et voilà, ça vient nous avoir fait un festival de grosses plaques. Peut-être va-t-il battre son record. Secondes. Voilà encore un tout petit spécimen. Je pense. Ouais, elle est belle. Bon, ben aujourd'hui nous sommes à Quintin. Et Sébastien vient de se faire atteler sur sa canne à carpe. Il prend une plaque sur le bord fumier. Une belle plaque de Quintin. Sur un absent de 8.
beau. Hein. Un petit peu honteux, ah, hein, bah, monsieur. Ouais. Ça a encore pipé. Tout dit pour les mêmes. Hein. Voilà, sans doute, avec le maïs. Canne est bien pliée. Hein. Quelque part là, mais on sait pas quoi. Hein. Ah, pas vu cette tranche. Oh, ça me plaque. Hein. Encore une plaquette. Oh, chaîne belle, hein? Ouais, tu vois? Ouais, putain, oh ouais. Je dis que ça ferait bien piquer sous le bord, encore une fois. Des gants, quoi. Bien plein de boutons, encore, quand même. Alors, non seulement il prend des plaques avec le scan à carte, mais maintenant, ce monsieur, il les prend à l'anglaise. C'est pas ma jour, aujourd'hui, hein? Oh putain, le placo, tiens. Oui, bien sûr. Voilà, encore une. Alors, si elle arrive à bon port, Michel est attelé. Après plusieurs casses, plusieurs défaites, va-t-il avoir le dessus? Va-t-on savoir ce que c'est? Et c'est quoi? C'est une belle torche. Ah, là, là, c'est agréable. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est ça depuis ce matin qui... Une belle torche, hein, 7800 par là. Attends, bouge pas. Hop. Quand même. Ok. Et c'est reparti pour Mimiche. Ah, plus lourd que tout à l'heure. Et elle est dedans. Alors, voyons voir ce poisson. Ouais, voilà. Une belle autre chose. Allez. Bon, nous sommes à Châtelaudrin. Et pour l'instant, on est bien tous capot. Enfin, j'ai fait un gardon. Et Bastien, il vient d'accrocher un petit voilier. Là. Petit bateau. Il y a eu une émotion, ça a fait bip bip. Jadot, il est assis comme un prince dans son fauteuil, dans son trône, sur son trône. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on fait capot. Hein. C'est la misère, quoi. Garde-les les deux, regarde-les les deux. Garde-les les deux. Regarde-les les deux. Bon, bah, on a été acheter le drain et puis pour finir, on se retrouve à Catin. C'est bien. Écoute, hein, il rentre toujours avec son siège. J'ai essayé, j'ai testé le siège, bien. Ouais, rien à dire, c'est costaud, tu peux pêcher au cou tranquille avec. Ouais. Ça y est, bah, tiens, c'est pas énorme. Regarde un peu là. Vas-y là, ça cote bien. Au blé en plus? Ah ouais, là, je suis encore plus exceptionnel. Bon, bah, le grand, il nous mène d'où là? Il y a rien à dire. Ah ouais, il marche. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est un pigeon. C'est un pigeon. Ça y casse. Non, il est trop. Bon, bah, c'est le festival à Jeannot, hein, aujourd'hui.
belle bête, un corail. Un corail de belle mémère, là. Ils sont rentrés, je vois ça va faire quoi. Et le festival à Jeannot. Pas comme un chien saoulé, tes autres là. Hein. Moi, je pense que je vais devoir mouiller. Les Dorisbourg, là. Ah ouais, mec. Chaque fois, il essaye, hein, mais il n'y arrive pas. Alors, par l'engin. Petite brème, quoi, méthode.